todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Mes amis, je vous propose un toast au mariage à venir de Reynaldo et de Mademoiselle Valeria Hans. Wow. Santé. Désolée de ne pas me réjouir de cette macabre cérémonie, mais je n'ai jamais aimé les blagues débiles ni les mauvaises plaisanteries. Ah mon Dieu, je voudrais disparaître. Marouja. Pancho. Pancho. Messieurs, un toast sans boisson, ce n'est pas un toast. Alors levons nos verres, trinquons, buvons, on est tous là pour fêter ça. Santé à tous, s'il vous plaît, commencez à manger, on va tous trinquer. Santé. Santé. Le salaud. Allô? Armando? Bonsoir, comment ça va? J'ai bien réfléchi, et oui, je veux bien sortir avec toi ce soir. Tu es où? Ok, parfait, je sors tout de suite. Où tu vas? Laisse-moi passer, je ne suis pas d'humeur. Calme-toi, s'il te plaît, d'accord? Écoute, et si tu réfléchissais, tu retournes les voir et tu présentes des excuses. Quoi? Bon, messieurs, j'ai une déclaration à faire. Je suis amoureux. Je suis amoureux de cette belle et merveilleuse femme. Hey. Lève-toi. Lève-toi. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est arrivé. Et si je devais le décrire avec des mots, je ne crois pas que ce serait aussi intense que ça l'est en réalité. Je voulais le partager avec vous tous, partager ce bonheur avec mon frère, mon père, ma famille, et vous demander votre soutien et votre compréhension. Je t'en prie, Reynaldo. De la compréhension. Quand l'amour frappe à notre porte, il faut le laisser entrer. Vous avez ma bénédiction. Je vous souhaite d'être heureux. Merci, Sébastien. De rien. Bien sûr. Et je pense la même chose que mon frère. Tu sais quoi? Tu as une femme extraordinaire. Bien sûr que oui. Et moi, je bénis cette relation. Et désolé, tonton, si je prends ta place. Mais c'est comme ça, tu vois. Merci, les gars, merci. Je suis content de savoir que j'ai votre soutien et votre compréhension. Dommage que Marouja ne pense pas la même chose. Ne t'occupe absolument pas de ça. Marouja, il faut la comprendre, vraiment, il ne faut pas lui en vouloir. Et en plus, je suis sûr que Juancho va se charger d'arranger ça, de la faire revenir à la raison sur ses sentiments. Pas vrai, Juancho?
Oui. Quelle bonne idée. C'est pas ce mon amour. Si on profitait et qu'on se mariait, comme ça on en fait une pierre deux coups. Tu imagines la fête? Oh, génial. M'excuser, Rebecca? Mais tu es devenue folle ou quoi? Écoute, calme-toi. Tranquillise-toi, Maruja. Toi aussi, tu es passée par là. Tu es tombée amoureuse de Rancho et tu as défendu ton amour contre vents et marées. Et bon, c'est ce que sont en train de faire Valeria et Reynaldo. Oui, avec la petite différence que je n'ai trahi ni insulté la mémoire de personne, Rebecca. En plus, je ne me mariais pas avec le veuf de ma meilleure amie. Tu es très injuste, Maruja. Je comprends ta douleur. Mais un jour, tu sais, il va bien falloir que tu acceptes qu'Ana Julia est décédée et que la vie continue. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, Ana Julia n'est pas encore morte. Mais je constate que pour Reynaldo et Valeria, elle n'a jamais été vivante. Hein? Ils ont quand même vite surmonté la douleur de sa perte. Ils ont tourné rapidement la page. Bon. Réellement, essaie de te mettre à leur place. Pour eux, ce n'est pas facile de se montrer devant tous ceux qui ont aimé Ana Julia et de reconnaître leur amour. Ce courage, cette honnêteté, ça mérite notre respect, Maruja. Le tien est celui de tous. Ce que tu appelles du respect, Rebecca, j'appelle ça de l'hypocrisie. Mais heureusement, heureusement que tout ça est arrivé, pour que je me rende compte une fois pour toutes de qui aimait vraiment ou pas ma sœur. Tu comprends? Je vais te le dire une seule fois. Reynaldo et Valeria, pour moi, sont des traîtres. Et ils le seront toujours. Et je leur souhaite, de tout mon cœur, tout le malheur que la vie et que moi-même on pourra leur donner, d'accord? Cette nuit, rien ne peut gâcher toute cette joie si grande que je ressens. En plus, laissez-moi vous dire que les réjouissances ne font que commencer parce qu'après le mariage de Reynaldo et de Valeria, il y a la remise de diplôme de mon petit Sébastien. Et après la remise de diplôme, notre mariage. Alors n'oubliez pas, beau papa. Vous voyez, le calendrier des fêtes est véritablement bien rempli. Des fêtes tout le temps. Des fêtes, encore des fêtes. Pas vrai, Sébastien? Ah, Sébastien, ne sois pas si timide. Tu n'es pas timide. Embrasse-la. Embrasse-la, sinon tu vas le regretter quand tu seras vieux, hein? Allez! Pour toi, chérie. On trinque! Où que tu sois. Et maintenant, tu trinques pourquoi? Eh bien, pour nous. Pour notre mariage. Et pour Ana Julia. Parce qu'où qu'elle soit, elle nous regarde et nous donne sa bénédiction. Je t'aime, Ana Julia. J'espère que tu continues de m'aimer de là où tu es. Que tu vas m'aider pour que Valeria et moi, on puisse donner à notre enfant un foyer. Plein de joie et d'amour. Comme celui que toi et moi, on aurait donné à notre enfant. Je ne t'ai jamais menti, Ana Julia. C'est pour ça que maintenant, je te demande la permission d'aimer Reynaldo. S'il te plaît, au nom de cet enfant, qui est le tien, celui de Reynaldo. Et aussi le mien. Ana Julia, donne-nous ton autorisation pour avoir le foyer le plus heureux du monde. Je t'en supplie. Ana Julia a béni notre amour. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle va être heureuse avec nous après-demain. Vraiment heureuse de te voir. De te voir devenir Madame Gabaldon. Mon épouse, Valeria.
Je suis ici parce que vous aimez mon village. Et vous voulez la même chose que moi. Vous voulez que ce village soit libre. Et surtout, vous voulez de la sécurité dans les rues, de la tranquillité le soir, et voir le village débarrassé des vermines corrompues comme Maria Ruiz. Durant toute ma vie, j'ai fait la même chose, et sans me vanter, car je ne fais pas les choses pour me vanter, ni pour qu'on me félicite et qu'on dise « Regardez, un digne travail pour le peuple !» Non, non, je le fais. Je le fais pour remplir mon devoir de citoyen, de leader, de dirigeant, de personne intègre qui s'engage pour le bien-être de son peuple. Et dire que lui et Caillou Gabaldon sont de la pire espèce dans cette jungle. Maintenant, Atillo et San Juan de las Minas marchent ensemble! Valeria Immaculada Hans Moran, acceptes-tu de prendre pour époux Reynaldo Ezequiel Gabaldon Leal? Oui, j'accepte. Allô? Ah, oui, bonsoir. Qui est-ce? Je suis bien chez Ana Julia Briceño à Menisabal. Reynaldo Ezequiel Gabaldon Leal, acceptes-tu de prendre pour épouse Valeria Immaculada Hans Moran? Allô? Allô, qui est à l'appareil? Qui êtes-vous? Allô, c'est qui? Dites-moi simplement, s'il vous plaît, je suis bien chez Ana Julia. Le docteur Briceño à Menisabal. Oui, j'accepte. Qui? Vous m'entendez? Non, non, docteur Ana Julia n'est pas là. Le problème, c'est que... Oui, c'est bien son numéro, mais... Le docteur Ana Julia est morte. Morte? Êtes-vous bien sûr que le docteur Ana Julia Briceño Amnisabal est décédée? Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, sans ménagement, aussi froidement. Vous la connaissiez, c'est ça? Vous êtes un collègue, hein? Allô? Allô? Alors comme ça, Ana Julia Briceño est morte et enterrée pour le reste du monde. Alors qu'elle est ici, enfermée à la place de la dangereuse contrebandière Maria Ruiz. Non, non, je ne peux pas rester enfermée et me faire appeler Maria Ruiz juste parce que le dossier le dit. C'est plus qu'un dossier, ma chère. Et ce Melquiades qui était ton mari, alors? C'est ce qu'il dit. Mais moi, mon cœur me dit autre chose. ma pote, mais alors? Tu vas nous faire comme la pauvre petite aveugle, ton amie qui voit avec le cœur. Non, ma pote, toi, t'as les yeux assez grands, enfin. Moi, cet homme ne m'inspire aucune confiance. D'ailleurs, ça fait combien de temps que j'attends qu'il m'amène l'enfant que, soi-disant, nous avons eu? Alors, toujours pas d'enfant. Attends. Hé, Témi, je commence à avoir faim! Écoute, chef. Ce que tu dois faire, c'est commencer à te secouer un peu et à te préparer pour ta défense. Pour ma défense? Meneke, pourquoi tu dis ça? Tu crois que mon procès, c'est bientôt? Ça peut être dans 5 jours ou ça peut être dans 5 mois. Mais prépare-toi, ma pote. Parce qu'entre le procureur et le juge, ah là là, ils vont finir par te rendre folle. Et vu que t'es Maria Ruiz, minimum 30 ans de prison, ma pote. Ce type ait pu aller aussi loin. Maintenant, Atilio et San Juan de las Minas marchent ensemble! Hey, Bayonne, t'es le meilleur! Et tout ça, c'est parce que c'est vous qui m'avez élu! Mon peuple, mon sang, mes concitoyens, mes parents, mes frères! Parce que tout comme j'ai mis la criminelle Maria Ruiz entre les mains de la justice, je vous promets que je vais en finir avec la délinquance et tous les criminels de cette ville. Ouais! Bravo, monsieur.
messieurs. Le certificat est signé. Au nom de la République bolivarienne du Venezuela et par le pouvoir que la loi m'a conféré, je vous déclare mari et femme. Félicitations. Merci. Yeah. Merci. Vive les mariés! Vraiment, je dois remercier le ciel de t'avoir ici à mes côtés, Valeria. Et que tu me rendes si heureux. Merci. Je t'aime. Je t'aime encore plus. N'en doute jamais. Je t'aime tellement fort, Reynaldo. Wouh! Ouais! Valeria. Merci. Félicitations. Merci. Quelle beaucoup. Merveille. Je ne vais pas te demander comment bravo, tu te sens, bravo, c'est bravo, évident. Bravo. Félicitations. Merci. Je ne sais pas, je n'arrive pas encore à y croire. Hein? Je suis comme sur un nuage. Bah, profites-en. Et je te souhaite depuis merci. Mon célibat merci tout le beaucoup. Bonheur du monde. Ah, merci. Tu es si belle. Ah, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, papa, merci. Qu'est-ce qu'un père peut bien demander de plus à son fils? Tu m'as vraiment tout donné, bon sang. Viens ici, mon garçon. Merci, papa, merci. Dis, mais à la vitesse où tu vas finir dans un sale état. Un sale état? Dans un sale état, je le suis à cause de lui. Dis, il n'a pas été capable d'apprécier la marchandise. Parce que j'ai quand même plus à offrir que cette fille insignifiante, non? Hein? On va les féliciter. Regarde-les, mon chéri, ils sont si beaux. On va être aussi beaux qu'eux le jour de notre mariage. Dans mon cœur, c'est le jour le plus heureux de ma vie. Merci de me rendre si heureuse, mon amour. Je n'oublierai jamais. Alors on est quitte, mon amour. Parce que je suis l'homme le plus heureux de cette planète. Dis-moi, mon amour, tu m'écoutes, hein? Ah, oui, bien sûr. Maintenant, mon mari. Quoi qu'il arrive, tu seras toujours, toujours mon mari, Sébastien. Est-ce que tu te souviens encore de moi? Mon Dieu, si tu savais combien je t'aime, si tu savais combien tu me manques. Parfois, je désespère quand je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait, si je me suis pas trompée, si je t'ai laissé partir sans raison, si ça a été une erreur. Dieu, je ne sais pas quoi penser. Ma seule consolation, c'est où que tu sois, que tu sois heureux, mon amour. Je sais qu'il faut que je sourie malgré ma tristesse, mon ange. C'est toi qui l'as décidé. Et me voilà, à me battre contre elle et elle contre moi. Salut. Salut, ça va? Salut. Alors, est-ce que mon petit frère peut prendre 2 petites minutes pour me féliciter? Je peux poser ça là? Ouais, pas de problème. Tu sais, je te comprends, Sébastien. Je sais ce que tu traverses, et je regrette. Ça ne doit pas être facile de voir un mariage alors que tu viens de te séparer. Tout va bien, Reynaldo. Je vais bien. Pas de problème. Arrête de me mentir. Tu veux me la faire à moi, qui suis ton grand frère?
J'espère qu'un jour tu vas t'en souvenir. Tu ne m'as pas raconté ce qui s'est passé dans la jungle. Tu me dois ça. C'est le passé, Reynaldo. À quoi bon? Tout va bien. Mais j'aimerais bien qu'on en parle. Mais bon, là tout de suite, j'aurais besoin d'une faveur. Et tout de suite. Tu vois cette beauté qui se trouve là-bas? Eh bien, c'est ma femme. On va la féliciter? On y va. Il ne va pas du tout apprécier ma visite. Mais comment faire? Il va pourtant bien falloir gâcher la fête de Bayonne. Pour en finir avec des personnes corrompues, comme Maria Ruiz, la ville a besoin de gens comme moi. On est avec vous, monsieur le maire. Parfaitement. Merci de nous libérer de cette vermine de Maria Ruiz. Là, ce qu'on doit faire, c'est avancer son procès. Et nous, mesdames et messieurs, nous allons faire une pétition. Faire une pétition pour qu'elle ait la perpétuité, cette criminelle. C'est ça qu'elle mérite, de pourrir en prison. Parce que dans cette ville, on ne veut plus de crime, mesdames et messieurs. Et c'est pour ça qu'on a Tilio Bayonne. C'est ça, citoyenne. Et je vous dis la même chose à vous. Maria Ruiz va payer pour l'ensemble de ses crimes. Et comment se portent le garde du corps et l'homme de confiance du nouveau maire de cette charmante petite ville? Quand on te connaît, c'est difficile à croire. Les gens peuvent changer, Baniba. Je pensais qu'Attilio était quelqu'un d'autre et finalement c'est un homme honnête. C'est pour ça que je travaille pour lui. Et cet homme honnête ne te laisse pas dire des compliments aux jolies filles que tu croises? Laisse-moi te dire que tu es le seul à ne m'avoir rien dit dans cette ville aujourd'hui. Et tout ça, c'est pour toi. C'est vrai qu'en fait, t'es vraiment bonne. Et si tu me le disais, disons cette nuit, tous les deux? Comme d'habitude, hein? Non, moi vraiment... Toi, non. Vraiment quoi? Je t'attendrai. Messieurs, dames, s'il vous plaît, approchez-vous, s'il vous plaît. Venez avec votre verre. Voilà, parfait. Tout le monde est là? Il en manque? Je voudrais dire un mot. Ça va être court, je vous le promets. Je ne vais pas m'attarder. Bon, je voudrais vous remercier d'être venus, tous les membres de ma famille, mes amis, mes collègues de travail, d'être venus à la célébration de cette union qui, je vous le promets, sera aussi longue que notre vie. Je veux trinquer d'abord pour notre enfant, ce merveilleux bébé qui est en chemin. Parce qu'en plus, elle est enceinte. Je le crois pas. Pour mon épouse, Madame Valeria Gabaldon. Ça sonne bien, hein? Ah! Oui. Et pour toutes les choses qui nous unissent. Pour le bonheur que je me promets de construire pour notre famille, aussi bien pour toi que pour mon enfant. Et que ce soit pour toujours. Et que rien, ni personne, ne détruise cette union, cet amour. Rien, personne. Je t'aime. Moi aussi. Santé. Valeria, cette nuit quand ton nom m'est venu à l'esprit, j'ai senti comme si le ciel s'ouvrait. Alors pourquoi je ne peux pas me souvenir de qui tu es?
Comment je fais pour que tu saches que je suis ici? J'aimerais que tu puisses recevoir mes pensées, Valeria. Valeria! Je ne me souviens pas de toi. Mais je suis sûre que si tu savais l'enfer que je suis en train de vivre, tu m'aiderais. Ça, j'en suis sûre. C'est le plus beau jour de ma vie, Anna Julia. Pardonne-moi si tu sens que je te vole quelque chose. Mais la vie me sourit comme jamais. Et pour rien au monde, je ne voudrais avoir à renoncer à ce bonheur. La conscience est une chose sérieuse, hein? Je ne veux pas parler de ton mariage avec Reynaldo. Tu sais très bien de quoi je parle. Mon père. Aujourd'hui, tout te paraît joyeux, insouciant. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas la réalité. Parce que cet enfant ne t'appartient pas. Eh bien, mon père, c'est peut-être mon karma, non? Non. Je ne crois pas au karma, Valeria. Je crois en la vie. La liberté que Dieu nous donne pour choisir. Tu sais, c'est vraiment dommage que tu aies choisi le chemin le plus obscur et le plus épineux de tous. Mon amour. Mon amour. Oui. Mon amour ne te tourmente plus avec ça. Écoute, Anna Julia, tout comme toi et moi, on sait qu'on n'a rien fait de mal, n'est-ce pas, mon oncle? Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas eu de mensonge ni de piège. Rien de tout cela. En plus, notre enfant a besoin qu'on soit heureux et unis. Bien sûr. Dis-toi bien que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Anna Julia, c'est de nous aimer. Viens. On va trinquer. Trinquons pour ce qui va être une période de victoire pour tous. Souvenez-vous, avec Attilio, on attrape les criminels illico. Ouais. Avec Bayonne, les voleurs, on les bayonne. Ah, c'est pas mal, ça tient, ah, ça me plaît. Excusez-moi, monsieur Attilio. Oui, Attilio. Attilio, le nouveau maire de ce village, pour être plus exact. Dites-moi, à quoi dois-je l'honneur, ou le malheur, de votre visite? Eh bien, je suis Rafael Ortega. Ah, hein. Oui, je suis le directeur chargé de la prison de la juridiction. Ortega, Ortega, c'est un plaisir. Dites-moi, je peux vous être utile? Eh bien, avant tout, m'excuser de ne pas avoir été ponctuellement à votre investiture. J'avais beaucoup de travail. Le crime ne s'arrête jamais. Croyez-moi, Ortega, je sais très bien comment se porte le crime. Ouais. Mais ça me plaît. Des gens comme vous, responsables et loyaux à mes côtés. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Eh bien, j'ai pu récemment réviser quelque peu le dossier de Maria Ruiz. Et je crois que nous avons un petit problème avec elle, monsieur. En vérité, c'est vraiment très grave. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai cette sensation si oppressante? Je ne crois ni au pressentiment ni aux prémonitions, mais ce que je ressens est si étrange. Comme si la peau voulait me dire quelque chose. Comme si elle me parlait. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de ma vie? Parce que je dois bien avoir une histoire quelque part. Et ça ne peut pas être celle d'une criminelle. C'est impossible. Pourquoi j'ai des frissons? Merci, merci, merci. On se voit plus tard. Le poste, oui, 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 on en parle. Est-ce que vous m'écoutez, monsieur? Oui, Vous connaissez Maria Ruiz? Oui, 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 oui. Mais oui, oui, je t'écoute, Ortega. Mais écoute-moi.
C'est que ça serait pas mieux d'en parler de ça à un autre moment. Parce que ça n'est pas le moment ni l'endroit. Tu ne crois pas? Ce n'est vraiment pas la peine d'en parler maintenant. Si on peut le résoudre plus tard, le problème. Tu es d'accord? Alors tu peux être tranquille, tu peux être tranquille. Je viendrai te voir. Très bien, je t'appelle avant, je t'appelle. Et je vous le répète, c'est très délicat. Oui, oui, d'accord. Saluez vos compatriotes pour moi. Ce seront peut-être un jour vos futurs clients au pénitencier. Allez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Allez, allez-y. Il y a un problème, chef? Non, non, ça va, mon pote. Ce qu'il y a, c'est que certaines personnes, tu vois, ne font pas bien leur travail. Et ça, je t'assure, ça commence à me stresser. Mais rappelle-moi quand on rentrera qu'il faut immédiatement trouver le dossier de Maria Ruiz. Et trouve-moi un verre. Quelque chose à boire. Dis-toi aussi. Prends une petite pause, allez, prends quelque chose. Tu as l'air vraiment très stressé, toi aussi. Allez, les autres restent avec moi. Allez. Moi, j'y vais. Oui, chef. Alors, il y a un dossier sur Maria Ruiz. Qu'est-ce qu'a voulu dire le directeur du pénitencier sur ses problèmes? Quoi qu'il en soit, il faut que je le sache avant. Excusez-moi, s'il vous plaît. Mes sincères félicitations, mon petit chat. Mais un moment, ce n'est plus ton petit chat. La vache, okay. C'est vrai. À partir de maintenant, je ne veux plus te voir ni fâché, non, ni triste. Pas question. Maintenant, ce n'est que joie et allégresse, d'accord? Eh bien, c'est précisément ce que je vais faire avec cet homme que j'adore. Sérieusement? Et vous, mon ami très cher et si précieux? Vous, je vous rends responsable du bonheur et du bien-être de ma voisine de plage. Je vous aurai à l'œil. Oh, pas de problème. C'est officiel. Je vais prendre soin d'elle. Et que seule la mort puisse jamais vous séparer. Non, mon pote. Ne prononce pas ce mot. Non. Ok, allez, pata. Allez, on oublie tout. C'est de notre vocabulaire. À partir de maintenant, juste de l'amour et de la vie. Ah, ce soit-il. Josepha, combien de fois je t'ai dit de ne pas me faire peur? Je vais finir par avoir un infarctus un de ces jours. Ah, j'étais juste venue vous apporter ces petits fours. Je sais que vous les aimez bien. Regardez, ils sont au fromage et au brocoli. Non, je ne veux rien de ce mariage. Disons plutôt de cette aberration. Et pourquoi vous buvez? Vous n'avez pas l'habitude de boire seule. J'en avais envie. Je suis si triste pour la mort de ma sœur. Si triste pour ce que sont en train de faire ces deux traîtres. J'ai eu envie de boire. Oui, pour voir si ça me faisait passer cette douleur. Et alors? Ah, mais ce que vous ressentez, l'alcool ne va pas l'arranger, Madame Marouja. Laisse-moi, Josepha. Et si vous mangez quelque chose? Demain, vous allez vous sentir très mal. Non, je ne veux pas manger. Et puis cette douleur ne va pas passer en mangeant, Josepha. Ah, mais ce n'est pas en vous cachant que vous allez sauver la mémoire de votre sœur. Puisque vous vous êtes si bien habillée, ce serait bien que vous descendiez et que vous fassiez bonne figure. Et vous accompagniez votre mari qui est tout seul. Faites-le, Madame Marouja. Sinon, ce qu'ils vont penser, c'est que vous êtes une lâche. Merci. Bien aimable. De rien. Témoin. Hein? Témoin. Qui eût cru que toi et moi, on serait témoins du mariage de mon frère avec ta meilleure amie? Ouais. Allez, traquons au bonheur des mariés. Santé. Santé. Oui, tu sais, mais à la différence de tous ces gens qui n'arrêtent pas de parler derrière son dos, moi, je crois que Valeria est en train de vivre quelque chose de formidable. Ouais, moi aussi je pense ça. Et aussi, je pense qu'ils sont suffisamment grands tous les deux pour décider eux-mêmes de leur vie. Tu vois, tout comme nous en fait, tout comme nous. D'ailleurs, je te proposerais bien qu'on aille ailleurs tous les deux. Qu'on laisse nos sentiments et le désir que l'on ressent l'un pour l'autre s'exprimer. Hey, Juancho, arrête. Regarde, il y a toute ta famille et tous tes amis. Ils pourraient nous voir, non? Qu'ils nous voient. Écoute, ma toute belle, cette nuit, avant que tu t'en ailles,
tu t'y attendras le moins, je te donnerai le baiser que je désire tant. Juancho, tiens-toi bien. Arrête de rêver, arrête de rêver. Écoute, je reconnais que tout à coup je pourrais céder, voilà. Mais ça va pas être le cas. Donc, non, non, ne fais rien. C'est clair. Très clair. Mais de toute façon, tu es fichu. Parce que ce baiser, tu l'auras. Bon, à votre bonheur. Santé, santé. Vous vous amusez bien ? Énormément. Santé. Ça se passe bien ? Excusez-moi, voilà. À bientôt, merci. Mon roi, mon chéri, je ne t'ai pas encore félicité pour ton mariage. Eh bien, merci beaucoup. Félicitations. Merci. Comment ça se passe ? Bien ? Dis-moi une petite question. Ce oui-là que tu as dit à la psychiatre, c'est irréversible, inchangeable, intransférable. Je ne comprends pas. Bon, je t'explique, c'est facile. Nous autres qui sommes dans le clan des célibataires, est-ce qu'on a une petite chance? Juste une petite chance, juste une petite. Je crois que... Tu es un peu trop bu, ça te monte à la tête. Tu es un peu triste, mélancolique, et je crois que tu ferais mieux d'arrêter. Mélancolique? Non, moi je me sens plutôt... optimiste. Bien sûr. Optimiste parce que... j'ai entendu dire que les hommes mariés ne sont pas casés aussi. Écoute, Patty, juste une chose. Non, plutôt deux petites choses. Une, je me marie aujourd'hui. Et deux, je n'ai aucune intention d'envisager de tromper ma femme. Mais c'est clair ? Mais mon roi, qui t'a parlé de tromper ? Si on parle de faire ça, alors je suis la première à faire la queue tout droite. Bonjour, excusez-moi. Félicitations, Reynaldo. Merci, 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 merci. À la tienne. Santé. Tu es devenue folle ou quoi ? Tu es folle ? Allez, viens par là. Tu veux que Monsieur Gabaldon te voie faire ça ? Ça quoi ? Ça quoi ? Être en train de draguer son fils, ma petite chérie. Si le vieux te voit en train de faire ça, tu vas te retrouver à la rue, tu comprends ? Idiote. Oh. Avance, idiote. Tu es insortable. Moi, c'est bon. Alors, tu as une bonne scène. Celle-là, pas incroyable. Si tu savais comment je me sens bien, Espinosa, voir mon fils comme ça... heureux, marié de nouveau et avec une femme formidable. Un foyer qui naît, un enfant. Tu m'en vois heureux, pour tous les deux, mais surtout pour Ronaldo. Ça montre qu'il a surmonté la mort d'Anna Julia. Il sentait Caillou. Et qu'il y ait d'autres bonnes nouvelles. Bien sûr, merci. Maintenant, si vous le permettez, je vais danser avec votre assistante. Ah oui ? J'y vais. Allez-y, allez-y, allez-y. Oh, ça va ? Vous allez bien ? Venez, je vous présente à mes amis. Oh, je ne peux pas danser avec les sondeurs. Incroyable Migdalia. Qui l'eût cru ? C'est ça, je te vois et je ne pense pas vraiment que nous sommes les enfants de Dieu, pour tout avouer. Toi, Corinna, je te vois et il se trouve que je pense à quelque chose de complètement différent. Oui, j'imagine qu'il y a un petit ange qui se demande si je serais capable d'accepter la même chose que ta femme. Bon, au total, il y a donc 7 femmes pour un seul homme. C'est ce que disent les statistiques. Ou non ? Et toi, tu me dis quoi ? Eh ben, j'en dis que de temps en temps, un homme pourrait avoir une petite aventure. Parce que, imagine-toi, qu'est-ce qu'on ferait, nous, pauvres femmes qui sommes seules ? Hein ? Nous aussi, on est des enfants de Dieu. Ou non ? J'y vais.
Je ne peux pas continuer comme ça, Charlie. Je dois t'oublier. Comme toi, tu l'as fait. Je dois accepter que... Que tu fais ta vie avec quelqu'un d'autre. Et je dois faire la mienne. Je dois t'oublier, Charlie. Je dois t'oublier définitivement. Non, Roberta. Sébastien ne s'en va pas. Sébastien est avec nous dans chaque assiette, chaque verre dans cette maison, dans chaque lever de soleil, dans chaque arc-en-ciel. Dans ma robe de mariée. Dans la cascade où on se baignait, dans les rivières. Dans les disputes avec mon père. Dans mes souvenirs, Roberta. Sébastien est partout. Tout ici me rappelle son existence. Tu sais pourquoi ? Parce que Sébastien est ma vie, Roberta. J'ai appris à voir avec ses yeux. J'ai appris à marcher avec ses paroles. Et oui, je sais ce que tu penses. Tu penses que je suis une idiote, une... Oui. Mais tant pis. Tant pis parce que... J'ai fait ce qu'il fallait. Et même s'il ne le sait jamais, j'ai fait ce qu'il fallait. Même s'il pense que j'ai juste cessé de l'aimer. Cette blessure à la jambe. Cette nuit dans la jungle. Tout doit avoir une explication. Et moi, je dois avoir une famille comme tout le monde. Un papa, une maman, des frères. Et peut-être même un mari. Ah, ça va, Chavez, tout le temps poussé. Tais-toi, allez, avance, bon. marche alors. Ça te fait mal en plus. Ah bon, ça te fait mal? Eh ben, tant mieux, hein. Aïe! Idiote. Et toi? Arrête de penser autant, tu vas finir par devenir folle. Regarde, je t'ai apporté le journal pour que tu penses à autre chose. Bon, mesdames et messieurs, la fête commence. Plus de formalités, on boit. Ouais, tous sur toi. Pas toi, non, le bébé. Non, je sais. Du calme. Un petit peu. Écoute, on va danser. Danser? Bien sûr. Allez, quoi, on va non, danser. Non, je ne sais pas danser. Allez, s'il te plaît. Fais-nous une danse. Non, je suis un monsieur sérieux, oh, je ne fais pas ces choses-là. Je ne suis pas mariée avec un vieux. Bon, allez, Rinaldo, comment fais pas le timide. Ah, je suis vraiment nul. C'est du reggaeton ou du merengue? Je suis nul. Non, je crois que vous dansez mieux. Je ne sais pas danser ça. Je ne sais pas. Vous devriez vous en aller tout de suite. Ah bon? Mais où est-ce qu'on devrait aller? On veut pas le savoir. On veut pas le savoir. T'as vu, ils sont en forme. Allez, viens plutôt m'embrasser. On veut pas savoir. Hola, collègue. Ça va? Comment ça se passe, la garde? Très bien, monsieur. Alors, les festivités avec le nouveau maire? Ah, très bien. Enfin, bon, tu connais, hein. Le peuple en liesse et monsieur Attilio est très content. Mmh. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Moi? Ouais. Non, rien. C'est juste que le chef m'a envoyé dans son bureau chercher des papiers. On peut passer? Si le chef l'a autorisé, pas de problème. Mais en sortant, vous signez le rapport, c'est bien clair? Le rapport, oui. Bien sûr, c'est évident, bien sûr que oui, t'en fais pas. Alors, la chef, t'as lu le journal? Non. Ben, lis au moins les BD pour penser un peu à autre chose. Niki, tu es vraiment lourde avec ça. Bon, donne, on ne sait jamais. Je vais peut-être me souvenir de quelque chose. Maria Ruiz, t'as de la visite. Apparemment, ta famille s'est agrandie. C'est même un sacré pleurnichard. Chef, regarde. Voici ton fils, Maria Ruiz. Le voici. Et maintenant...
solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte mi amor. Palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo muero por ti. Ni nada que responder a tanta inspiración. Yo que con mirarla ya pierdo la razón.